Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Est-ce que le nouveau Mathias Connard habite mon, je ne sais pas, mais je lui souhaite la même carrière. J'ai le plaisir d'accueillir Louis Béchin. Salut Louis, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super bien. Ce jeune homme de 19 ans, à peine sorti de l'école, a un rôle important dans Walking Dead Hexagone. Il est venu nous en parler. Ouais, donc voilà, qu'est-ce que c'est The Walking Dead Hexagone? C'est une série française, en fait, qui se passe dans la même temporalité que la série américaine The Walking Dead. Et dans cette série, on va suivre les aventures de Evan Baker, qui est l'équivalent de Rick Grimes dans la série. Et en parallèle, il y a son petit frère, Milan Baker, qui est joué par moi. Et donc, Milan Baker va essayer de survivre dans cet apocalypse de zombies et essayer de retrouver son frère. Ok, donc restez curieux, bientôt il va être heureux à la télé. Ça s'est tourné où? Ça s'est tourné à Lyon et dans ses alentours. Ah, donc t'as fait les allers-retours et tout? Ouais, forcément, c'est un peu loin, donc merci papa, maman, merci TGV. Ouais, j'imagine que... Mais ça devrait être sympa, quoi. Ça... C'était sympa, ouais. J'imagine. Et on m'a dit aussi que tu avais fait une formation en cascadeur, tu sais nous en dire aussi un petit mot? Ouais, bien sûr, c'était donc une école de cascadeurs en France qui s'appelle le Campus Univers Cascade. Et donc c'est une école qui forme des jeunes cascadeurs, qui soient débutants, amateurs, professionnels. C'est de tout et on apprend des techniques de chute, d'acrobatie et même des techniques de combat au cinéma. Ah, ça doit être super chouette. Mais alors, sans transition, comme tu es mon toit, tu aimes bien sortir le week-end? Ah oui, forcément. Alors on passe à l'agenda. On parle ici du week-end du 18, 19 et 20 février. Elor Peck vient présenter son nouveau projet à Hâte. Il y a Claire Laffut à Braine-le-Comte. Beaucoup de choses à faire, à tourner au Watermoulin, au bout de nos rêves, des concerts punk, rock et garage à aller voir, ça va être très chouette. Et la lutte des classes à Framery. Le même soir, Alex Vizorek s'arrête au Théâtre Royal de Mons. Le 20, jeune public, Fred et Sanson à Dour. Toujours jeune public, le petit chaperon rouge à Pérouet, mais en vrac cette semaine où on vous a épinglé les émotifs anonymes ou Richard William pour 50 ans de banjo. L'agenda complet sur 7000.be. Nous, on va se laisser, on va se quitter ici. Merci en tout cas, Louis. Bah, merci à toi. Tu passes quand tu veux, t'es un peu à la maison. Vous l'avez compris, restez curieux, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine.